après le... À moins de 2 mois des élections législatives en Côte d'Ivoire, le GPS du président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Soro, réagit enfin suite à sa grande renonce. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Hervé Koulibaly, secrétaire général du RGPS en Côte d'Ivoire, à propos des législatives 2022 via le RHDP, ce n'est pas une grande priorité pour M. Guillaume Kibafourisoro, le président du mouvement Génération et Peuple Solidaire. La question de la grande participation au nom de l'opposition en Côte d'Ivoire aux prochaines élections législatives est tranchée au rassemblement de Génération et Peuple Solidaire, en abrégé RGPS. Dans un message dont nous avons reçu copie, le secrétaire général du Rassemblement des Générations et Peuples Solidaires en abrégé RGPS persiste en ce jour que la grande participation aux prochaines élections législatives n'est pas d'une grande priorité de l'heure aussi, bien pour la grande structure du GPS en Côte d'Ivoire, pour l'ensemble des mouvements sauristes vis-à-vis de l'opposition et du RHDP. Après la grande annonce de M. Albert Mabry-Touakessu en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro brise enfin le silence et s'attaque à l'opposition après sa grande trahison. Pour le président du mouvement Génération et Peuple Solidaire en abrégé GPS, la grande question des législatives n'est pas d'une grande priorité, a rétorqué M. Guillaume Kibafourisoro. On ne va pas en guerre pour essayer de gagner, a-t-il rétorqué en ce jour. La grande priorité est la mise en place d'une grande organisation capable d'ouvrir une grande alternative politique viable, a-t-il rétorqué en ce jour. Guillaume Soro contre-attaque à nouveau. Au vaillant peuple de la République de Côte d'Ivoire, c'est la grande préoccupation majeure du RGPS et sûrement celle de l'ensemble de la galaxie soriste en nos jours, a expliqué Hervé Koulibaly jusqu'à présentement. Guillaume Soro ne s'est pas encore prononcé sur cette grande situation sociopolitique qui prévaut au GPS présentement. Guillaume Soro a renoncé à l'élection législative en Côte d'Ivoire contre le RHDP et le PDC-RDA de M. Henri Konambedi. Les pro-soristes sont très en colère en ce jour.